Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et à Radio de Vie. Il est 17h40, heure locale. Veuillez nous excuser parce qu'on devait commencer à 17h, mais on a eu quelques entretiens. Et comme vous êtes patient et vous aimez le Seigneur, merci pour votre compréhension. Et je pense que Ludovic a dû vous annoncer tout à l'heure qu'on allait commencer vers 17h30. Voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, merci pour votre présence. Donc, le thème, bien sûr, ce soir, comment savoir pour. Comment faire pour reconnaître un vrai et voilà un vrai prophète ou pasteur ou chrétien et quels sont les éléments que l'on peut avoir, les signes, les preuves qui authentifient un service, un serviteur, un ministre, un ministère. Mais c'est vrai que le terme ministre, on l'aime pas trop, on préfère plutôt serviteur, c'est mieux, hein, Ludovic. Voilà. Amen. Donc, alors, comment faire pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu et voilà. Et comment faire pour distinguer les vrais des faux. Et chose pas toujours facile, hein, parce que nous sommes dans une époque où il y a tellement la confusion. Et la confusion ici et là, donc c'est pas toujours facile pour des chrétiens de pouvoir discerner. Donc on a besoin plus que jamais, on a plus que jamais besoin de discernement en ce temps. Seigneur, merci pour ta fidélité. Conduis-nous en toutes choses par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Bonsoir Ludo. Bonsoir. Ça va? Oui. Alors je sais pas si on entend Ludo. C'est bon? Parfait. Voilà, donc on a deux jeunes qui sont venus, qui ont voulu participer à l'émission. Bonsoir. Donc, vous allez vous exprimer, vous présenter. Bonsoir. Oui. Je sais pas si Oh, on c'est bon, on m'entend. entend, on entend. Moi, c'est Yannick. Yannick, ouais. Et j'ai pris le baptême l'année passée, L'année passée, d'accord. en juillet. D'accord. Et Alors, tu peux arrêter un peu de bouger, parce qu'on oui. entend le bruit de machin, Et de la chaise. voilà, j'ai donné ma vie à Jésus. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, c'était pas évident au début. Qu'est-ce qui n'était pas évident? Je viens d'une famille catholique aussi, D'accord. donc c'était pas évident. Je me sentais un peu seul, Mmh. mais bon, Dieu est bon et voilà, on tient le coup, quoi. C'est bien. On tient le coup. D'accord. Gloire à Dieu. Donc, on a aussi une jeune sœur qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Mmh. moi je m'appelle Jalvi. D'accord. Moi par contre, j'ai eu mon baptême en 2014, donc je D'accord. venais d'arriver et c'est une amie à moi qui aux États-Unis qui m'a recommandé de suivre vos vidéos, je me D'accord. rappelle. On peut se tutoyer, hein, Ah les frères et d'accord, sœurs, pas de problème. j'ai vu votre vidéo, D'accord. Ok. ta vidéo sur YouTube D'accord. et je crois que Dieu m'a visité en plein salon chez moi, je me suis mise à pleurer Waouh. et j'ai dit non. Le lendemain, j'ai dit à ma copine, mais c'est quand moi je veux partir, je veux aller voir, parce que je cherchais la parole. Depuis toute petite, je peux dire, je suis née avec ça, je sais pas, D'accord. mais je voyais des choses, mais je savais pas comment les interpréter. J'ai eu à vivre des choses aussi qui n'étaient pas évidentes pour moi, qui me faisaient assez peur, et je me suis laissée aller au bout de mon adolescence. Je me suis entraînée dans le monde et voilà. Et arrivée ici, je suis venue, j'ai eu mon baptême, mais je suis retombée. Donc malheureusement, le diable m'a eu, je suis retombée. Et à un moment donné de ma vie, je perdais des amis. Je me suis dit, mais si je meurs, où j'irai? Parce que je sais que Dieu, il existe, l'enfer existe. Et depuis, j'ai dit, non, je vais donner ma vie à Dieu. Et je me suis réveillée avec ça. J'ai abandonné le péché, ce que je n'arrivais pas facilement. Je me suis dit, c'est Dieu qui m'a donné la force, parce que je crois que c'est maintenant ou jamais. Et j'ai commencé à venir avec des sœurs. On se retrouve au téléphone chaque nuit, on prie. Et Dieu fait grâce, il se révèle, il parle. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc pour votre information, nous serons au Gabon dès demain soir. Et on a un programme, je pense que vous avez vu le slide qu'on a mis sur TV de vie. Donc à partir de demain soir, nous sommes à Libreville. Et nous serons là-bas pour une semaine à peu près. Et donc on sera à deux endroits différents. Donc pour toutes les informations, allez sur le site de TV de vie. Sinon, les 3 derniers jours, parce qu'on sera là-bas du 15 au 22, donc on sera au gymnase voilà, de Libreville, donc j'ai oublié le nom. Donc si l'équipe technique peut nous aider avec le slide, ça serait pas mal. Et voilà, mais en tout cas, il manquait les horaires, c'est ce qui manquait. Donc c'est à partir de 16h normalement. Voilà, donc vous avez l'information qui manquait. Alors on va prendre rapidement un passage. Comment faire pour distinguer les faux des vrais? Et voilà, donc il nous faut bien sûr le discernement des esprits. Nous sommes dans Matthieu 13. Matthieu 13, et à partir du verset 24. Donc c'est la parabole du blé et de l'ivraie.
Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema livré parmi le blé, puis s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent: « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Mais il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent: « Veux-tu donc que nous allions l'arracher ?» Et il leur dit: « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. » Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà, ça c'est une parabole qui est très connue et l'explication nous est donnée, son explication nous est donnée plus loin. Au verset 36, « Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et il leur répondit et dit: « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. » Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la brûle au feu, il en sera de même à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà, donc il faut avoir des oreilles pour entendre. Et voilà, donc le Seigneur fait appel, bien sûr, à notre discernement. Parce qu'on peut entendre un son et sans le discerner. Mmh. Voilà, donc c'est pour cela qu'ici, le Seigneur est en train de faire appel au discernement. Pourquoi? Parce que ben, pour discerner justement le blé de l'ivraie, et, il faut bien sûr être aidé par le Seigneur, parce que sinon c'est impossible. Mmh. Pourquoi? Parce que les deux plantes, comme vous le savez, se ressemblent. Mmh. Hein? Donc, on voit bien qu'il y a un champ, le monde bien sûr, et qui appartient au Seigneur. Ce qu'il le dit, c'est son champ. Et ses serviteurs, n'est-ce pas, dormaient, alors qu'il y avait le blé qui avait été semé, planté. Ses serviteurs dormaient, et on nous dit que pendant la nuit, justement, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et nous savons tous que l'ivraie vient du grec zizanion, n'est-ce pas, qui aussi certainement signifie zizanie, n'est-ce pas. Donc l'ivraie aussi a été traduite en latin par hébriacus, donc, qui a donné en français ébriété, donc c'est l'ivresse. Voilà, donc on voit bien que le rôle de l'ivraie, c'est le rôle de l'ivraie est double. Donc premièrement, c'est d'amener bien sûr la division, la zizanie, et deuxièmement, d'amener bien sûr l'ivresse, enivrer les gens, rendre les gens bêtes, c'est-à-dire littéralement bien sûr abrutir les gens. Et donc voilà cette semence là qui a été plantée, qui a été semée par l'ennemi, qui produit ces deux types d'effets. Donc la dissension, division et l'ivresse. Or, Paul, par l'esprit, nous dit dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a de la dissolution, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et nous savons tous que dans Apocalypse 17, cette femme, l'église apostate, bien sûr, hein, donc l'Église, ce système humain que Dieu n'a pas bâti, cette femme cherche à enivrer les hommes, bien sûr. Et nous sommes, nous, chrétiens, dans cette génération où il y a beaucoup d'églises sont infectées par, n'est-ce pas, l'ivraie. Le monde, d'ailleurs, le monde. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Il n'y a qu'à voir toutes ces guerres que le monde connaît aujourd'hui. Donc, déjà, et si on veut étendre la vision, parce qu'il est question du champ, hein, Ludo, le champ c'est le monde. Il n'y a qu'à voir les activités de l'ivraie. Comment vous pouvez expliquer, mes amis, rien qu'au Congo RDC, dans l'Est, il y ait près de plus de 10 millions de morts. C'est un génocide. Comment pouvez-vous expliquer cela? Près de 10 millions de morts. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, des guerres,
Quand on voit la Première Guerre mondiale qui a, n'est-ce pas, fait près de 30 millions de victimes, et la Deuxième Guerre mondiale, près de 60 millions de victimes. C'est impressionnant. Donc, et on se dit, mais Seigneur, mais dans quel monde vivons-nous? Chaque seconde, pratiquement, il y a un enfant qui meurt de faim sur Terre. Donc là, on veut d'abord parler sur le plan, bien sûr, charnel, sur le plan, voilà, donc ce qui se passe dans le monde. Hein. Et il n'y a qu'à voir tous ces attentats, toutes ces fusillades au nom de je ne sais pas quel Dieu. Hein. Donc des gens s'explosent. On voit au Nigeria des enfants de 8 ans qui portent des ceintures explosives pour aller s'exploser, n'est-ce pas, tuant des milliers de personnes. 8 ans, 10 ans, 12 ans. Comment l'homme créé à l'image de Dieu, hein, mes amis, tomber si bas. Comment peut-on expliquer les atrocités que notre génération connaît? C'est incompréhensible. Et comment l'homme créé à l'image de Dieu peut, mes amis, se lever et verser du sang, tout simplement pour avoir de l'argent ou avoir du pouvoir. Voilà ce à quoi nous sommes réduits, les humains, livrés. Division ici et là, guerre. Le monde est sur une poudrière. Notre génération connaît une croissance exponentielle de guerres, des troubles ethniques, des troubles raciaux. Et on se demande, Seigneur, mais jusqu'à quand cela va-t-il durer? Regardez le chaos qu'il y a sur tout le plan, sur le plan politique, le chaos. Le chaos des beaux discours qui ne sont suivis d'aucun effet. Et les gens sont de plus en plus malades, alarmés. Et mes amis, le monde va mal. Hein? Je ne suis pas le premier à en parler. D'ailleurs, il y a quelques mois, des scientifiques européens avaient fait un article disant qu'il nous restait 3 secondes dans l'horloge nucléaire, hein, atomique également. Et si les hommes ne faisaient rien, donc tout allait exploser. Il n'y a qu'à voir avec la COP21, n'est-ce pas, cette grande réunion de l'humanité, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui nous gouvernent. Et vous avez pu voir tout ce qui s'est passé pendant le déroulement de cette grande réunion. Et sur le climat. Pourquoi? Parce que effectivement l'homme, hein, l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé par Dieu, et n'est-ce pas, par son excès, par ses excès, par son amour excessif de la richesse, tout ça là, détruit son environnement. Alors que Dieu, quand il a créé Adam, la Bible nous dit qu'il avait planté un jardin en Éden, et il disait à l'homme, tu dois le garder et le cultiver. Ça, c'est terrible, Ludo. Je ne sais pas ce que tu peux dire là-dessus, je ne sais pas. C'est toujours quelque chose qui m'a frappé, c'est que l'homme n'a pas été créé justement pour créer. Mm-hmm. C'est le devoir de Dieu. Ok. Et on a voulu se substituer à Dieu en voulant être Dieu, et voilà le résultat, on a fait n'importe quoi. Mm-hmm. On était à la base créé pour cultiver et entretenir ce que Dieu avait créé. Ok, d'accord, d'accord. C'est très différent. Mm-hmm. Or, comme nous, on est devenu notre propre Dieu, on s'est dit, il n'y a pas de raison que moi, ce que Dieu a fait, je ne puisse pas le faire. D'accord. Donc on a fait les choses, sauf qu'on a tiré notre création de ce qui a été déjà créé par Dieu et qui était parfait. D'accord. Donc par voie de conséquence, on a détruit ce que Dieu a créé pour pouvoir créer quelque chose qui déjà, pourtant, a déjà été créé par Dieu. D'accord. Ça s'appelle la folie humaine. Et l'homme n'a pas pour ambition d'être Dieu, mais mm-hmm. pour cultiver et entretenir avec soin, avec délicatesse, ce que Dieu a créé de parfait. Mm-hmm. Et dès qu'on touche à ce parfait, eh ben c'est de l'ivraie qu'on sème. Wow. C'est de l'ivraie qu'on sème. Dieu n'a pas créé l'ivraie au départ. Non. C'est la conséquence d'une faille génétique. Donc forcément, c'est l'homme qui s'y est mis. Les caniches n'existaient pas, par exemple. Okay. Ce sont des croisements humains. Ce type de chien, quoi. Ouais. Le type de chien. Mm-hmm. Donc il y a plein de choses qui existent sur la Terre qui n'ont pas lieu d'être. Mm-hmm. Alors évidemment, ça reste des êtres humains, donc, enfin des animaux, donc il faut les garder. Mais... Donc ça a été créé, les caniches? Mais bien sûr. Okay. Il y a plein de races qui existent
par expérience humaine, on a voulu voilà, faire des choses bizarres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire en changeant les temps et les circonstances et les lois, ce qui était précisé dans Matthieu 24, d'ailleurs, que l'homme animé de l'esprit de l'antéchrist, il va vouloir changer les lois de Dieu en disant, puisque je suis Dieu, eh bien, au travers de deux hommes qui vont s'unir, je vais pouvoir créer un enfant. C'est ce qu'on est en train de faire. Le monde est fou. Et on crée des monstres, des sortes de mutants. Et finalement, on revient, et c'est pour ça que tout est écrit déjà dans les Écritures, dans le livre de Genèse, où à un moment donné, on voit que les anges ont quitté leur position pour s'accoupler avec des femmes parce qu'ils virent qu'elles étaient belles, et ça a donné ces espèces de monstres, de mutants, que nous-mêmes, on est en train de créer aujourd'hui. Wow. Et quand dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que le Tartarus va être ouvert et que de ce puits de l'abîme va sortir des démons, mais quelque part, j'ai envie de dire, mais il est là, ce Tartarus. Mais ce n'est pas des démons, ce sont les résultats de nos propres mains, de notre travail. Donc moi, je dis, revenons au Créateur, revenons au Dieu, et surtout, arrêtons d'essayer de créer quelque chose à partir de ce que Dieu a créé qui était parfait à l'origine. Tout ce que l'homme touche en se mettant dans la position de Dieu le détruit systématiquement. Wow. Et c'est pour ça qu'il y a des génocides. C'est pour ça que... Et je dis toujours que notre seul... Si ce n'est pas un terme biblique, mais on va comprendre mon langage, mais notre seule ambition sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ramener le Créateur dans ce monde de ténèbres. Et j'oublierai jamais... ce que Primo Levi disait quand il était dans les camps de concentration, il disait que bizarrement, il n'a jamais vu autant la présence de Dieu que dans ces camps-là. Wow. Parce qu'il disait, dans le comble de l'horreur, où il n'y a pas plus horrible que l'extermination d'un homme sous prétexte qu'il est d'une autre religion, eh bien, ça l'avait ramené à Dieu, parce que s'il ne le faisait pas, il redevenait fou et lui-même pouvait devenir le monstre que lui-même pourtant dénonçait. Wow. Donc, si on reste... dans cette horreur-là, nous-mêmes qui pensions être bons, nous réalisons que nous sommes également des monstres. Et ça rappelle ce que dit Romains 3, 23, car tous sont pécheurs, tous, même celui qui se croit bon, même celui qui donne son argent pour les autres, il est mauvais à la base, parce qu'il a dans ses gènes le péché qui est en lui. Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'aime cette parole dans Romains 5, 8, quand il est dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Créateur a vu que de nous-mêmes, on ne pouvait créer que des monstruosités. Par conséquent, il est venu sur cette terre et il est venu mourir pour nous, afin que nous redonnions gloire au Créateur. Amen. Et ça, c'est la beauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, dans ce monde d'horreur, dans ce monde de ténèbres, on ne peut pas changer ce monde, il ne changera pas. Il n'ira que de mal en pis, malheureusement. Mais on peut apporter la lumière de Christ, être ce sel, cette saveur de Dieu, ce royaume de Dieu dans ce monde de ténèbres, pour que les gens cessent d'espérer en ce monde qui va se perdre d'une manière ou d'une autre, mais qui nous permet de dire, il y a une autre espérance, c'est une nouvelle terre. En vivant le royaume, on leur donne l'espérance qu'un jour, ce royaume sera établi sur terre. Ce n'est pas changer le monde, c'est dire, voilà, chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Parce que le monde, personne ne peut le changer. Mais non. Et puis, si, il change, mais pas en bien. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de destruction, je dirais même d'autodestruction, qui de toute manière s'est courue depuis la chute. C'était écrit dans les écrits. C'est un livre prophétique, la Bible. Donc, tout a été écrit. Ça ne devrait même pas surprendre les chrétiens. Ce qui m'attriste, ce n'est pas que les païens désespèrent, parce qu'ils ont des raisons de désespérer, mais c'est que le chrétien, dans ce chaos, n'a pas encore compris que c'était... rassurant, parce que ça montre que la parole de Dieu est vraie. Moi, j'ai jamais rien attendu de ce monde dès ma conversion, parce que quand on comprend un tant soit peu les Écritures, on sait comment ça va finir. On connaît la fin de ça. C'est ça, tu sais. Donc le but, c'est de moi, j'aime toujours cette description de cette Jérusalem céleste, parce qu'elle est mon espérance, et je vis descendre ou venir du ciel une nouvelle terre. Ça, c'est notre une nouvelle terre. Cette terre là, elle va venir du ciel. C'est-à-dire que le Seigneur va nous apporter un package complet. Il dit, voilà, ça c'est pour vous. Mais ça, c'est fini, vous ne pourrez même plus essayer de changer ça. C'est ça. Parce que ça, c'est du ciel. Je vais vous donner même une nature céleste. Vous aurez un corps différent pour que justement, plus jamais ça se reproduise. Et c'est ça notre vision. Amen. Et tout ce qui va venir de cette terre tournera autour de l'arbre de vie qui va revenir dans cette Jérusalem. Au centre, au milieu de la ville. Ouais. Exactement. Et il n'y aura plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est ça notre malheur. On connaît. On connaît tellement qu'on fait n'importe quoi. C'est ça. Et on se nourrit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'à l'origine, on devait être collé à l'arbre de vie. Et ça, c'est... Et moi, alors c'est sûr, ça m'attriste de voir ce qui se passe. Je ne vais pas
parce qu'il y a des hommes qui pleurent, il y a des enfants qui meurent, c'est horrible. Mais en même temps, ça nous pousse à attendre avec, avec ardeur, avec foi, cette nouvelle terre Amen. Qui nous est destinée. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, on va bien. Donc on a fait juste, comment dire, un petit... vous avez pu voir un petit aperçu sur ce qui se passe un peu sur Terre. On n'a pas, bien sûr, à cause du temps, pu tout développer. Donc là, rapidement, on va finir sur l'aspect de l'Église. Hein. Donc on va voir ce qui se passe un peu dans la chrétienté. Hein. Donc voilà, parce que le titre du message, c'est vraiment « Comment faire pour distinguer les vrais des faux ?» Voilà. Comment faire pour reconnaître qu'un prédicateur est de Dieu. Comment faire? Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Mmh. On va sur YouTube, il y a tellement des prédicateurs, il y a tellement des pasteurs, tellement des... On se dit, mais Seigneur, mais lequel est de toi? Parce que, voilà, c'est... Alors, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup touché tout à l'heure, Ludo. Enfin, pendant que tu parlais, quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et c'est dans Apocalypse, chapitre 22, en parlant de l'arbre de vie, justement. Mmh. Et Apocalypse chapitre 22, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens et des chrétiennes qui veulent avoir des éléments, des outils pour pouvoir reconnaître les vrais frères, les vrais chrétiens et distinguer les vrais des faux. Mm. Eh ben, le premier outil, hein, donc le premier signe que la Bible nous donne, c'est dans Apocalypse chapitre 22. Et nous lisons à partir du... C'est Apocalypse 22, pardon. Ouais, c'est ça. 22, donc il est question de l'arbre de vie. Donc verset 1 à 2. Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Voilà, merci. Donc là, alors, au verset 2, nous avons vraiment, je veux dire, la raison, la clé principale qui nous permettra de reconnaître qui est faux, qui est vrai. N'est-ce pas? Donc ici, on nous dit que l'arbre de vie était au milieu, n'est-ce pas, de la place, au milieu de la ville. L'arbre de vie était au milieu de la place de la ville. Voilà, donc la première clé, la première chose qu'il faut regarder chez une personne, chez un chrétien, sur un site internet chrétien soi-disant, est-ce que l'arbre de vie, qui est bien sûr Yeshua, hein, donc Jésus-Christ, parce qu'il a dit qu'il est la vigne. Donc, est-ce que Jésus est au centre? Est-ce qu'il est au centre? S'il n'est pas au centre, eh ben, c'est clair. Cette église-là, que vous le vouliez ou pas, elle n'est pas de Dieu. On ne peut pas tergiverser là-dessus. Jésus doit être au centre de toute chose. Amen. En matière d'église. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qui est au centre. Ce sont des hommes qui sont au centre. Voilà. Ce sont des hommes. Moi, j'interpelle vraiment des chrétiens, parce que je sais que vous êtes nombreux à être connectés ce soir, et même ceux qui nous aiment bien, n'est-ce pas? Parce que bon, ils ne peuvent pas s'empêcher, bien sûr, de tourner autour de nous, parce que on ne peut tourner qu'autour de la lumière, hein, si on est des bébêtes, hein, donc voilà, donc des petites bébêtes. Donc c'est tout à fait logique, on ne peut pas leur en vouloir, donc ils n'ont pas trop le choix, parce qu'il y a la lumière. Voilà, la lumière attire des petites bébêtes. Donc quand vous allumez la lumière, vous allez voir toutes sortes de... voilà. Bête autour. Donc, voilà. Donc, c'est normal. Ça tournaille autour, ça tournoie, ça tourne, tourne. Ils n'ont pas le choix. Amen. Voilà. Alors, si vous voyez un site internet où Jésus n'est pas au centre, où ce sont des critiques matin, midi, soir, 6 heures de vidéo pour parler d'un pasteur, vous ne voyez pas que ce monsieur qui vous parle là n'est pas de Dieu? Est-ce que vous avez besoin qu'un ange vienne vous parler pour que vous réalisiez que Dieu n'est pas là-dedans? C'est de la distraction. Hein, ils font ça pour faire du buzz. Voilà. Parce que, regardez bien, les vidéos où ils font beaucoup de critiques, il y a plus de vues. Mais les vidéos de leurs enseignements, il n'y a pas beaucoup de vues. Donc, ils ont compris, n'est-ce pas, comment ça fonctionne sur YouTube.
Et plus ils ont des vues, plus ils ont, ils sont payés par YouTube parce qu'il y a des pubs parfois. Donc, c'est du business chrétien. Vous n'avez pas compris ? Jésus n'a pas passé son temps à critiquer les pharisiens. Jésus n'a pas focalisé son ministère sur le pharisaïsme. Non ! Il n'a pas focalisé son message sur, mes amis, le monde. Non ! On va vous parler là. Il nous reste encore quelques minutes. Laissez-moi vous parler parce que demain, nous sommes à Libreville. Amen. Voilà. Il faut que cette vidéo tourne bien comme il faut. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je dis bien, quelqu'un qui va prendre un canapé, parce que nous dénonçons le ministère de canapé. Il prend un canapé, il est assis dessus, il se dit avocat. Quel est cet avocat qui n'a pas, mes amis, l'aptitude, n'est-ce pas, le réflexe de faire des investigations dans la prière d'abord, pas en allant sur d'autres sites pour aller se renseigner. Mais vous voyez que c'est la confusion actuellement là. La confusion totale. Ministère de canapé devant son ordinateur. Et ça va déblatérer des niaiseries pendant 6 heures. Un tel a fait ci, un tel a fait ça, il a levé la main comme ça, il a fait ci, il a fait ça, ça prend des vidéos, ça enlève la musique de base, qui est la musique de Dieu, la musique spirituelle, ça met d'autres musiques et au ralenti, et des chrétiens boivent ce poison. C'est la confusion. Voyez ? Et c'est grave. Parce qu'à force de rester assis comme ça pendant des heures, ils ne vont jamais en mission. On comprend mieux pourquoi ils ont des hémorroïdes spirituelles. C'est grave. Donc, 6 heures pour faire quoi ? Pour faire, n'est-ce pas, des paparazzis. Voilà, paparazzis. Mais où est le message ? Mais où le centre de leur site internet, c'est quoi ? C'est qui ? On nous dit ici qu'au centre de la ville, il y avait l'arbre de vie, Ludovic. Oui. Là où, vous savez, c'est la vie est toujours au centre. Oui, c'est vrai. L'arbre de vie, c'est Jésus. Jésus dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc l'arbre de vie, c'est Jésus. Jésus doit être au centre. Il doit être au centre. C'est-à-dire même, nous dénonçons de temps à autre. Mais nous mettons toujours Jésus au milieu. C'est-à-dire il y a plus d'enseignements que des dénonciations. Bien sûr. La meilleure façon de dénoncer parfois, c'est par l'enseignement. Quand les gens accèdent à la connaissance, ils auront le discernement pour ne pas se faire avoir par les faux. C'est l'instruction. C'est pour cela que la Bible dit, il faut instruire l'enfant dès l'entrée, à l'entrée de sa voie. Quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Amen. Voilà. Ouais. Mais l'évangile, ce n'est pas passer des 3 heures, 4 heures, 5 heures autour des tel pasteur a fait ci, tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ci. Mais écoutez, les chrétiens peuvent eux-mêmes faire des recherches. Bien sûr. Donc ça, ce n'est pas un ministère. C'est du passe-temps. C'est de la distraction. Les mêmes qui vont dire non, un tel n'est pas de Dieu, ils reviennent, non, il est de Dieu. C'est la confusion. C'est-à-dire, ils ne savent même plus sur quel pied danser. Donc c'est la confusion totale. Frères et sœurs, la première chose qu'il faut regarder si quelqu'un est de Dieu, c'est est-ce que la personne est focalisée sur Jésus-Christ. S'il c'est pas le cas, eh ben ce pasteur, cette église n'est pas de Dieu. Ça peut vous choquer, mais écoutez, on n'est pas là pour se faire acclamer, on est là pour plaire à Dieu. Voilà. Jésus a dit, ici on nous dit que l'arbre de vie était au milieu. Comment voulez-vous que les gens puissent avoir la vie si Dieu n'est pas au milieu? Dieu veut occuper la première place. La vie, quand elle se manifeste, elle est toujours prédominante. La vie, quand elle arrive quelque part, là où il y avait la mort, quand la lumière arrive, la lumière chasse les ténèbres. Donc vous voyez, la lumière prend toute la place. Et Dieu doit être au milieu. C'est-à-dire, toutes les vidéos qui sont faites, qui sont diffusées par ces sites internet, ces assemblées, doivent se tourner autour de la personne de Yeshua, autour de Jésus-Christ. La sanctification, la crainte de Dieu, l'amour, n'est-ce pas, le sérieux, et pour l'œuvre du Seigneur. Et là, on nous dit que l'arbre de vie portait des fruits. Donc, vous voyez, là où il y a la vie, si la vie est au milieu, Ludo, il y aura forcément les fruits. Amen.
Et comment voulez-vous que les gens portent des fruits, que ces églises portent des fruits? Parce que Dieu n'est pas au milieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de fruits. Quels sont ces fruits? L'amour. C'est quoi l'amour? Eh bien, l'amour, c'est refuser de voler quelqu'un, son prochain. Voilà pourquoi dans nos églises aujourd'hui, des pasteurs ne font que parler de l'argent, dîme. La dîme, c'est la loi, il ne faut plus la payer. Donc, dîme, offrande, 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 offrande. Autre chose. Là où il n'y a pas l'amour, on va commencer à se servir des gens comme des esclaves. C'est pour ça que nous voyons des pasteurs qui deviennent des rois et qui vont, n'est-ce pas, même ceux qui viennent d'Afrique. D'ailleurs, pour votre information, il y en a un qu'on va bien dénoncer bientôt, qui a offert des chaînes à plusieurs sœurs ici, un pasteur qui vient d'Afrique, qui, bien sûr, va commencer à danser sur nu sur Skype. On est en train de préparer des éléments là pour exposer ce monsieur, parce que pour qu'il y ait l'ordre, il faut exposer ces gens-là. Pour qu'il y ait l'ordre, il faut, sur le plan dans le monde, on dit, bien sûr, il faut les arrêter, les enfermer. Eh bien, pour qu'un pays soit redressé, il faut amener l'ordre. Il se trouve que dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus, comme vous le savez, des pasteurs qui viennent notamment d'Afrique et qui viennent et qui vont manipuler des chrétiens qui sont en manque d'amour, qui vont dépouiller des femmes qui sont faibles, parce que souvent les plus grandes victimes de ces charlatans, ce sont les femmes. Voilà, on comprend mieux pourquoi le serpent, Satan n'a pas parlé à Adam, il est allé parler à une femme. C'est pour cela, les hommes, veillez sur vos femmes. C'est important. Il faut rééduquer les hommes pour qu'ils prennent soin de leurs femmes, pour ne plus qu'elles soient les victimes de ces charlatans. Voilà. Un homme qui vous demande à parler à un pasteur, Ludo, qui appelle une femme sur Skype à 22h, déjà ce pasteur, vous devez comprendre qu'il est suspect. Un homme de Dieu, un chrétien authentique, surtout marié, ne doit pas appeler des femmes. Pour quelle raison? Pour quelle raison, toi qui es pasteur, tu vas commencer à appeler une femme pour parler avec elle? Vous allez parler de quoi? Vous voyez qu'il y a des problèmes et nous ne pouvons pas nous taire. Je dis bien, on m'a envoyé des éléments, des enregistrements. Je ne veux pas, je donner ma parole à une femme, à cette sœur, pour ne pas dire, dénoncer, diffuser ça. Ne t'inquiète pas. Jusqu'à ce que tu me dises, tu peux y aller. On ne va pas le faire pour l'instant. J'entends que ce monsieur se repente véritablement. C'est un dernier appel. Parce que tous les chrétiens du monde entier vont devoir le dénoncer. Et je vous assure, il y aura au moins plus de 500 vidéos autour de lui pour le dénoncer. Et non seulement qu'il va être dénoncé, mais en plus de cela, il va être dénoncé auprès des Congolais qui défendent, n'est-ce pas, leur pays. Parce qu'il y a trop de désordre. Et non seulement qu'il sera dénoncé auprès de ces Congolais, il sera dénoncé également auprès des autorités ici, en France, en Europe. Parce qu'on va pas on va le poursuivre jusqu'à ce qu'il soit, n'est-ce pas, complètement exposé. Parce que quand on entend des témoignages des femmes qui sont violées, quand on entend des témoignages des femmes qui sont abusées sexuellement, financièrement, on se dit, il y en a assez. Il y en a assez. Et pour nous faire taire, ils veulent se dire aux gens, on a des histoires sur ce monsieur aussi, on a des dossiers. Quel dossier vous avez? Oh, il a des villas. Eh bien, si j'ai 14 000 villas, 1 million de villas, j'ai pris ton argent où? J'ai volé ton argent? Si j'ai pris un terrain, j'ai pris ton argent où? Amène-moi une preuve où j'ai volé ton argent. Voilà. Ils ne savent pas quoi inventer. Mais je ne me tairai pas. Je veux obéir jusqu'à ma mort à mon Dieu. Voilà. Donc, mes amis, l'intimidation ne marche pas, ne marchera pas. TV devient une chaîne que Dieu a suscitée pour pouvoir parler et pour mettre au centre l'évangile, frères et sœurs. Et je disais que comment reconnaître un vrai pasteur? Un vrai pasteur, c'est celui qui met Jésus au milieu. Jésus, c'est la vie. La vie produit. Là où il y a la vie, il y a
sais, je suivais une émission Ludovic il y a quelques jours. Les scientifiques nous disent comment reconnaître qu'un organisme est vivant. Mmh. Eh bien, on reconnaît qu'un organisme est vivant s'il a les potentialités de se reproduire. D'accord. Donc là où il y a la vie, il y a la reproduction. Donc la reproduction, c'est la vie. Mmh. Ce sont les engendrements, selon les Écritures. Mmh. Donc il y a la vie. Donc si Jésus est au milieu, il y aura la vie. Mmh. Mais si vous vous connectez sur un site internet chrétien, soi-disant, où il n'y a que des vidéos de critiques, quittez-le, Jésus n'est pas dedans, c'est de la distraction, c'est pour vous amener en enfer. Vous devez vous connecter sur des sites internet où l'évangile est mis en exergue, où la parole de Dieu est mise au devant. Chrétien, réveillez-vous, Jésus revient. Amen. Amen. Satan est rusé. Il a suscité beaucoup de ses serviteurs qui ne vont jamais au contact des chrétiens qui sont chez eux et qui vont avoir, n'est-ce pas, des connexions qui, ici et là pour dépouiller les gens. Donc je dis bien, le premier signe qui atteste que quelqu'un est de Dieu, qu'un prédicateur est de Dieu, qu'un site est de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit être au centre. Jésus, c'est la vie, les fruits. Et l'un de ces fruits, c'est l'amour. Si j'aime mon frère, je ne veux pas le tromper. Si j'aime ma sœur, je ne veux pas, n'est-ce pas, l'appeler sur Skype pour commencer à me déshabiller, hein, pour commencer à faire à se masturber, hein, à s'exciter, à s'exhiber. Et quand ils sont démasqués, ils disent, non, 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 c'est une sorcière, c'est une sorcière. Ah bon, si c'est une sorcière, pourquoi ne l'as-tu pas délivrée? C'est facile de dire c'est une sirène des eaux, sorcière, sataniste et tout ça. Là. Ça, c'est facile. On connaît ce discours-là quand on attrape un pasteur dans l'adultère. Il faut l'ordre. Moi, je ne suis pas un politicien. Dieu m'a dit, libère mon peuple. Donc, je reste dans mon cadre de l'Église. Chacun doit faire son travail. Frères et sœurs, l'heure est grave. Je dis bien, tous les pasteurs qui vous appellent sur Skype, mes sœurs, ce sont des charlatans. Je dis bien, tous les pasteurs qui vous appellent sur Skype, à partir tard comme ça, déjà un homme de Dieu, un pasteur marié, il va appeler une femme pour faire quoi? C'est pas possible. Vous allez parler de quoi? Déjà un homme de Dieu, un pasteur ne va pas avoir une copine chrétienne? Ce sont nos sœurs, il n'y a pas de problème. Mais vous avez vu, mes amis, Paul avec une camarade chrétienne? Vous avez vu Pierre avec une secrétaire, femme? Jérémie, dans la Bible, là où on a parlé d'un secrétaire, c'était avec Jérémie le prophète. Et c'était un homme, Baruch. Tous les pasteurs qui ont des femmes secrétaires, là, ce sont des impudiques. Moi, je ne laisserai jamais ma femme pour être secrétaire d'un pasteur. Pourquoi faire? Tu vas appeler ma femme pour dire, viens au bureau pour faire... Je veux dire, t'attends mon coco, là, tu crois où, là? Ma femme pour être ta secrétaire? Pourquoi tu ne prends pas un homme comme secrétaire? Les hommes n'ont pas les capacités pour gérer les choses. C'est quoi cette affaire? Dans un travail normal, on comprend. Mais dans les églises, si vous voulez des secrétaires, mais mettez des hommes comme Baruch. Oh non, toi tu es ma meilleure amie. Toi tu vas m'aider pour les courses. Un homme de Dieu ne va pas demander à une femme de venir le prendre avec sa voiture pour aller faire des courses tous les deux. Vous avez vu ça où? C'est pour cela, mes amis, le changement arrive aussi en Afrique. Amen. Je vous dis, hein, le changement arrive avec le fouet. Pour amener l'ordre. Parce qu'il y en a assez de voir nos sœurs violées, de voir nos chrétiennes dépouillées, n'est-ce pas? Ces victimes, les victimes de ces charlatans. Frères et sœurs, donc, voyez bien, on a quelqu'un en ligne, on va le prendre tout à l'heure, vous inquiétez pas, je dois finir d'abord ce que je dis. Ne raccroche pas mon frère, merci. Donc, Jésus doit être au centre. S'il est au centre, il y aura la vie. C'est-à-dire, on peut dénoncer, mais il faut qu'on enseigne. Il doit y avoir plus d'enseignements que des vidéos sur la dénonciation. Sinon, ce n'est plus Jésus, c'est le diable qui est là-dedans. Parce qu'avec l'enseignement, on construit. Autre chose, si Jésus est au centre, donc il y aura les fruits, bien sûr, comme je dis. Et les fruits, c'est l'amour, comme je le dis. Si il y a l'amour, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas coucher avec une autre femme que la tienne. Parce qu'en allant avec une autre femme, tu blesses le Seigneur, tu blesses ta femme, tu blesses tes enfants. Donc, s'il y a l'amour, parce qu'il y a la vie, il y a les fruits, l'amour, eh ben, on ne va pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire, aller tromper sa femme, aller tromper son mari.
allait blesser ses enfants par le péché sexuel. Allait prendre l'argent de l'autre en le manipulant. Non. Frères et sœurs, là où il y a l'amour, on ne va pas comme un homme de Dieu ne peut pas, j'insiste là-dessus, ne va pas commencer à appeler les gens tard, déjà surtout les femmes, au Viber, au Skype, au WhatsApp, je sais pas quelle autre comment dire application réseaux sociaux tout ça là, il y a tellement de charlatans. Autre chose, Ludovic, un homme de Dieu authentique ne met jamais son numéro personnel sur internet pour que les gens l'appellent. Parce qu'un vrai prédicateur, il n'amène pas les gens à lui. Il envoie les gens vers Dieu. Amen. Amen. Comme Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui passe. Quand ils l'ont vu, ils l'ont suivi. Un homme de Dieu qui met son numéro personnel sur internet, vous devez comprendre qu'il cherche à ce que les gens l'approchent lui. Exactement. Il cherche à attraper les gens. C'est un filet. C'est de la séduction. C'est de la séduction, c'est de la manipulation, c'est l'esprit de contrôle. Et c'est nous qui sommes traités de gourous. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Vérifiez ce site internet, ces numéros de téléphone là. Si ça appartient à l'homme de Dieu là, soi-disant là, au pasteur, sachez que c'est un, n'est-ce pas, c'est un collectionneur. Hein, c'est un quelqu'un qui est en train de collectionner les femmes. Mais quand est-ce qu'il va s'occuper de sa famille s'il passe son temps au téléphone avec les âmes là? Quand? Oh, tel seulement appelé de Londres, tel seulement appelé de Belgique, tel seulement appelé de la Suède. Il est glorifié parce que les gens l'appellent dans le monde du monde entier. Regardez-moi ce charnel. Oh, que Dieu nous aide. C'est la confusion. Vérifiez les numéros de téléphone. Un homme de Dieu dit aux gens, allez vers Dieu. Allez consulter Dieu. Moi, je ne suis qu'une voix. Je crie. Autre chose. Il ne met pas ses coordonnées personnelles, donc téléphone, email, jamais. Jamais, jamais. Jamais. Et, mes amis, l'heure est grave. Je dis bien, l'heure est grave. Beaucoup sont dépouillés facilement et beaucoup viennent nous voir pour pleurer par la suite. En disant, je me suis fait avoir. 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 Une jeune femme est venue me voir il y a quelques jours à Bruxelles, quand nous sommes allés à Bruxelles dimanche dernier, pour me dire, voilà, un pasteur marié, 20 ans cette jeune femme a, marié ce pasteur, il lui a fait la cour, cette jeune femme a déjà été violée plus de 3 fois. Violée 3 fois. Sa vie est brisée. Elle est allée voir un pasteur qu'elle connaît depuis longtemps, qu'elle considère comme un membre de sa famille, pour se confier. Ce pasteur l'a violée. Je dis à cette jeune femme, viens, on va payer ton billet, parce qu'elle est en province ici, on va parler. On a pris son billet, elle est venue lundi dernier, on a discuté. Je lui ai dit, elle ne voulait pas parler à sa mère, ni à la belle-mère de ce pasteur, dont la fille est devenue... est complètement aveuglé, manipulé. Je lui dis, tu appelles ce monsieur, tu appelles cette maman, cette femme, parce que le péché, on ne peut pas cacher ça. Mm-hmm. Vous vous rendez compte? Elle pleurait, blessée, mais des cas comme ça, c'est légion. Ça fait mal. Ça fait mal. L'heure est grave. Je dis bien, l'heure est grave. Frères et sœurs, un homme de Dieu, un chrétien, un prédicateur, il va présenter toujours Jésus. Quand vous voyez un prédicateur qui commence à dire que Jésus n'est pas Dieu, mais vous savez bien que c'est Satan qui parle par sa bouche. Comment, alors que la Bible dit Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3:16, Dieu est descendu en chair, sous la forme humaine. Et on vous dit que Jésus n'est pas Dieu, et vous continuez à suivre ce monsieur, c'est que vraiment vous êtes destiné à l'enfer. Ce n'est pas possible autrement. Jésus, on l'a adoré. Qui d'autre? Hein? Qui d'autre que Dieu, hein, qui doit être adoré? On l'a adoré, le Seigneur. Il a accepté l'adoration. Vous voyez, frères et sœurs, c'est la confusion. Nous sommes dans un temps de confusion spirituelle. C'est pour cela, ce soir, j'interpelle, j'invite
tous les défenseurs de la vérité, qui aiment la vérité, qui sont touchés par le Seigneur via tes vœux de vie, via nos médias. Je les invite à être encore debout dans la prière, à prendre position pour défendre la sainte doctrine. Amen. Amen. À mener le combat spirituel, pas charnel, mais spirituel, pour la défense de la vérité, parce que le combat est engagé, le combat spirituel, pour défendre la divinité de Yeshua, notre maître. Amen. Amen. On ne cédera jamais. On ne va pas se compromettre. On ne va pas se mélanger. On veut rester amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un vous dit que Jésus n'est pas Dieu, eh ben c'est clair. Vous savez que la personne, si elle se dit pasteur, chrétienne, tout ça là, vous savez qu'elle n'est pas vraie. La Bible est claire là-dessus. Jésus est Dieu. Amen. Voilà. Jésus est Dieu. Autre chose, frères et sœurs. Un homme de Dieu, un chrétien authentique. Le Seigneur, on l'a vu, hein, c'est Jésus au centre. Donc on tourne toujours autour de la même chose. Hein, il est au centre. Il est au centre. Paul a dit quoi? On peut prendre 1 Corinthiens 15. Il nous reste encore au moins 5 minutes en attendant que Ludovic nous lise ce passage. 1 Corinthiens 15, 1 à 7. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, je crois qu'on a un problème avec le retour. Dans le cadre, si vous voulez, d'une... Bon, c'est une personne que j'ai... David, est-ce que la personne est encore en ligne? Dernièrement, vous voyez. Et donc, elle expliquait à cette personne que... On n'entend pas, on n'entend rien du tout. Il avait prophétisé au sujet d'Israël, des prophéties d'ailleurs qui concernaient le Messie, visiblement. Allô? Oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ah oui, excusez-moi. Allô? Ça a coupé, voilà. 1 Corinthiens 15. Or mes frères, verset 1. Or mes frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Mm-hmm. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu par Céphas et ensuite par les 12. Depuis, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont plusieurs sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Depuis, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et vous l'avez cru ainsi. Voilà, et ça c'est le verset très fort aussi. Hein. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et vous l'avez cru ainsi. Paul, Pierre, Jacques et Jean n'avaient pas, n'est-ce pas, deux messages ou plusieurs messages, des messages différents. Ils avaient tous le même message. Même s'ils avaient des terrains, ils travaillaient sur des terrains différents, comme Pierre, plus, il était plus chez les Juifs, avec les Juifs, Paul chez les nations, donc dans les nations auprès des gentils. Ils avaient le même message. Voilà ce que nous prêchons. Ils prêchaient quoi? La croix. Or la croix, c'est le centre. La croix, c'est le centre. Quand on parle de la croix, on parle bien sûr de la rédemption, on parle du salut, on parle de la naissance d'en haut, la naissance nouvelle, on parle de la repentance, on parle de la conversion, on parle de la sainteté. Tout ça là, mes amis là, c'est la croix. La croix, c'est la base de l'évangile. Et Paul dit: la croix, n'est-ce pas, donc la mort et la résurrection de Yeshua, il dit, quant à la résurrection de Yeshua, il dit que notre foi et notre évangile sont basés sur la résurrection de Yeshua. Quand il disait, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes donc, mes amis, des faux prédicateurs, nous sommes perdus. Rappelez-vous bien que les Grecs ne croyaient pas en la résurrection corporelle. Ils croyaient en l'immortalité de l'âme, mais pas à la résurrection corporelle. Et Paul arrive avec un message nouveau, en parlant de la résurrection corporelle. Et c'est ça, justement, qui a créé un débat entre Paul et les épicuriens et les stoïciens, justement, dans Actes 17. Parce que les Grecs ne croyaient pas en la résurrection corporelle. Et Paul dit justement que la foi chrétienne est basée là-dessus. Donc, vous voyez bien que, Ludo,
Si un site internet, si un prédicateur, si une église, n'est-ce pas, n'est pas bâti, n'est pas basé sur ce message, sur la croix, sur cet évangile-là, véritable, sur Jésus-Christ de Nazareth simplement, l'arbre de vie, il faut partir de là. Si on vous amène plus à être là dans les critiques matin, midi, soir, partez de là. On doit dénoncer le péché, nous sommes d'accord, mais on doit avant tout enseigner la parole de Dieu. Nous avons depuis des années toujours dénoncé, on a toujours, par la grâce de Dieu, enseigné. D'où justement le centre de formation Didasco. Parce que dénoncer, c'est détruire, c'est arracher, mais il faut construire. Mais il faut construire. Si on ne construit pas par les enseignements, comment voulez-vous que les gens grandissent? Comment voulez-vous que les gens grandissent? Frères et sœurs, que Dieu nous garde. Donc, c'est la croix. Je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est la croix. S'il n'y a pas d'enseignement sur la croix, s'il n'y a pas d'enseignement sur la repentance, s'il n'y a pas d'enseignement sur la sainteté, s'il n'y a pas d'enseignement sur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le chemin, la vérité, la vie, le bon berger, le Père éternel, tout ça là, s'il n'y a pas d'enseignement, mes amis, biblique, basé sur le Seigneur, Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Et quelque chose d'autre que je voudrais dire aux chrétiens pour la bonne compréhension. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6. Parce qu'il faut, je crois qu'à notre retour du Gabon, si Dieu nous permet, mes amis, on va davantage enseigner là-dessus pour mettre de l'ordre. Hein, tout au long de cette année nouvelle qui commence. Et nous sommes dans 1 Corinthiens 6, au verset 13, Ludo. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Or, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ah, 1 Corinthiens chapitre 5, et le verset 13. Quant à ceux du dehors, Dieu les juge. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 13. C'est ça? 1 Corinthiens 5, 13. Quant à ceux du dehors... Ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ça veut dire que, Ludo, Dieu ne nous a pas mandaté, appelé, pour qu'on commence à faire des vidéos sur Michael Jackson, que c'est un sataniste. Que sur Johnny Hallyday, c'est un sorcier, sur Britney Spears, je sais pas quoi, je sais pas qui, sur Beyoncé, sur tous ces chanteurs, sur Kofi Olomide, tous ces chanteurs profanes. Dieu ne nous a pas mandaté, nous, Église, de faire des vidéos sur ces gens. C'est pas notre affaire pour dire non, vous voyez, il a levé la main, c'est le satanisme et tout ça. Mais c'est pas notre affaire, ça, c'est pas l'évangile, ça. Nous savons tous qu'ils sont du dehors. Voilà. Prêchez-nous Jésus. Arrêtez de distraire les chrétiens, prêchez Jésus. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on ne vous prêche pas l'évangile pur, comment voulez-vous avoir la foi? Si vous passez votre nuit, vos nuits, 6 heures pour écouter ce qu'un pasteur a fait, 6 heures, mais en quoi cela va vous construire? En quoi? C'est la distraction. Et je voudrais dire ceci. On m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'une personne a créé une page Facebook mettant ma photo et mon nom. Mais écoutez, moi je ne comprends plus les chrétiens d'aujourd'hui. Comment de quel droit allez-vous prendre ma photo? Déjà, je n'aime pas qu'on mette ma photo, mes photos ici et là. Prendre ma photo, créer une page Facebook pour mettre des vidéos, mais écoutez mes amis, mais comment vous pouvez mentir comme ça, usurper l'identité de quelqu'un? J'ai peur des chrétiens. Le monde, on le trouve dans les églises aujourd'hui. Alors, n'en parlons pas de tout ce qui est musique, tout ça, la soi-disant chrétienne. Donc, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose comme ça. On va juste prendre la personne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, je vous recontacte. C'est moi que vous aviez tout à l'heure, en fait. Mais je voulais vous poser une question, notamment par rapport au discernement en ce qui concerne notamment le don de prophétie. Très bonne question, frère. Voilà, parce que, disons que, bon, je suis allé sur un blog, je ne pense pas que ce soit totalement chrétien, dans le sens où je sais qu'il y a un peu de mélange sur ce blog,
mais ça m'a poussé un peu à la réflexion, ce qui avait été dit par la personne qui avait mis cet article en ligne. Puisque vous savez, en fait, elle a expliqué que par rapport à le prophète Balaam, par exemple, à un moment donné, c'est vrai qu'il était plus dans les voies du Seigneur, quoi. Il était devenu vraiment, il était plus vraiment dans l'obéissance au Seigneur. Et pourtant, à un moment donné, il voulait maudire Israël. Et il a fini par bénir finalement Israël à son insu. Donc cette personne finalement expliquait que quand on entend quelqu'un qui donne une prophétie, il faut juger plutôt la prophétie, elle affirmait en fait, mais pas forcément la personne qui apporte la prophétie. Ouais, là c'est, je crois que c'est quand on annonce, c'est des personnes qui vont annoncer une date concernant le retour du Seigneur, et quand cette date, bien sûr, quand cette date est dépassée et que le Seigneur n'est pas revenu, bah, et au lieu de se repentir, ils vont chercher à se justifier, à se, n'est-ce pas, voilà, faire passer les autres pour des méchants. Non, celui qui prophétise est responsable des paroles qui sortent de sa bouche. Oui. Voilà, parce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 14 que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Oui. Car Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Donc, celui qui reçoit une prophétie, déjà, il n'a pas besoin de se gesticuler. Hein? Il doit être en pleine possession de ses émotions, voilà, et de voilà. Donc il ne doit pas commencer à vouloir se mettre au sol, crier, se gesticuler, tout ça, comme si Dieu rabaissait les gens avant de pouvoir les utiliser pour la prophétie. Non. Donc voilà. Et il faut que celui qui prophétise comprenne, hein, que ceux qui prophétisent comprennent qu'ils sont aussi responsables. Car si la prophétie ne se réalise pas, c'est le prophète, hein, qui va être accusé de faux prophète. Voilà, parce que plus précisément, ma question, pour être encore un peu plus précis, si vous voulez, cette personne disait que finalement, parce que là, c'était dans le cadre d'une prophétesse apparemment, enfin américaine, qui aurait donné des prophéties pour 2014 sur la jeunesse en France, je crois, enfin je ne sais plus dans quel pays, mais je crois que c'était en France. Et donc, il y avait quelqu'un qui avait fait un commentaire sur son blog, en fait, et qui avait expliqué, moi, je n'ai pas vu réellement l'accomplissement de cette prophétie, puisque je n'ai pas vu qu'en 2014, il y avait vraiment, à la lettre, en tout cas, ce qui avait été prophétisé par cette personne. Et donc, la personne responsable du blog, en fait, avait dit, si vous voulez, c'est un peu comme un caïphe aussi. Elle avait cité l'exemple de caïphe, et elle avait dit, caïphe, finalement, il est bien écrit que... Il avait prophétisé la mort du Seigneur, mais c'était comme un peu à son insu, si vous voulez. Alors ma question plus précisément, c'est de enfin moi je ne pense pas que ce soit vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller, parce que ça m'étonnerait quand même de pas la part du Seigneur, quand même, enfin de Jésus, quoi. Mais si vous voulez, ma question plus précisément, alors parce que si on part de ce principe, en écoutant ce que cette personne écrivait sur son blog, finalement, ça aurait pu signifier que même si, par exemple, je prends un exemple un peu extrême, mais enfin malheureusement ça existe aussi, admettons maintenant que j'ai connaissance qu'il y a un ministère soi-disant chrétien, mais bon, qui est un pasteur, par exemple, qui serait homosexuel. Vous voyez, je prends un exemple un peu extrême exprès. Vous voyez. Donc ce pasteur, en fait, si je sais moi-même qu'il est homosexuel, parce qu'en plus, bon, il ne le cache pas, mais il le dit clairement devant tout le monde et qui dit que ce n'est pas forcément un péché aux yeux de Dieu, est-ce que moi, à ce moment-là, je peux dire, bon, bah attention, écoutons quand même ce que cet homme va prophétiser. Parce que il se peut qu'à son insu, en fait, il prophétise comme Caïphe ou Balaam des choses qui, effectivement, viennent réellement de Dieu. Vous voyez, c'est ça, en fait, ma question, précisément. Ah, ok, donc je comprends mieux. En fait, non, là, c'est autre chose. Là, c'est carrément, Dieu aime tout le monde. Oui. Dieu veut sauver tout le monde. Oui. Même les personnes donc homosexuelles. Mais les Écritures sont claires là-dessus. Donc, l'homosexualité est considérée comme un péché, comme une abomination. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Tout à fait, oui. Donc oui. Voilà, nous ne faisons que lire et répéter ce que Dieu a dit. Donc maintenant, si quelqu'un doit être censuré, c'est le Dieu, c'est la Bible. Et je ne crois pas qu'un homme soit capable de le faire. Maintenant, c'est clair. Dieu peut, de manière large, globale, peut se servir même d'un inconverti pour nous parler. Ça, nous sommes d'accord. D'accord, oui. Donc il n'y a pas de problème. Il peut même se servir des animaux, comme dans le cas de Balaam avec son ânesse. Voilà, exactement. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si quelqu'un se dit serviteur de Dieu et pratique le mal, le péché,
Si en même temps il nous donne une prophétie, personnellement, je n'écouterai pas. Parce qu'il est censé connaître la parole de Dieu. Aussi, mais vous voyez que penser à ce moment-là, c'est pour ça que je vous pose aussi la question, parce que c'est vrai que, bon, je pense que c'est quelque chose de subtil qui a été dit par cette personne. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, bah oui, vous voyez, bon, bah Balaam, il n'était plus vraiment dans les voies de Dieu, hein, il s'égarait, mais bon, il a quand même prophétisé sur Israël des choses qui effectivement concernaient d'ailleurs le Messie, et qui sont d'ailleurs consignées dans, je crois que c'est dans le livre de Nombre, dans les Écritures, vous voyez, donc on pourrait se demander finalement, est-ce que c'est pas applicable encore aujourd'hui? Non. Ou alors plutôt, que penser du cas de Balaam, en fait? Non, pas du tout. Déjà, Balaam a vécu à l'époque de la loi. Oui. Donc déjà, c'est pas la même, même époque. Oui. Et ensuite... on voit bien que Balaam, Dieu lui a quand même dit de partir. Oui. C'est-à-dire, quand il a prophétisé, c'est bien écrit, hein, donc il a quand même prophétisé selon par le Seigneur, parce que Dieu lui avait donné des ordres en disant, ce peuple ne pourra pas être maudit. Voilà, oui, effectivement, oui. Voilà, donc par la suite, il s'est égaré après. Oui, voilà, effectivement, oui. Voilà, donc il faut bien préciser là-dessus. Et Romains 12 nous dit... Et Romains 12, pardon, et au verset 3, il est dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous que nul ne présume être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun ait des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oui. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Or, oui, comme nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, selon la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Hein? Soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. C'est-à-dire la prophétie biblique doit être en analogie, en corrélation parfaite avec la parole de Dieu. Ah oui, quand on dit la foi, en fait, c'est pas uniquement la foi en tant que celui qui a confiance en Dieu, c'est vraiment la foi par rapport à la parole. La foi évangile. Quoi, dans l'intégralité. La foi, ici, c'est l'évangile. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on ne peut pas aller... Jusqu'à présent, vous voyez, c'est vrai que là, j'avais pas trop pensé à cet aspect des choses. Oui. Voilà, donc on ne peut pas prophétiser au-delà des Écritures. Oui, oui. Donc, il faut rester dans le cadre des Écritures. Donc, toute prophétie, toute vision, toute révélation, toute doctrine qui ne cadre pas avec les Écritures, ben, doivent être rejetées. Aussi simple, voilà, effectivement. Ça. Mais vous voyez, la personne, en plus, si je me permets en preuve de prendre peut-être une minute en plus pour vous poser une autre petite question en supplément de celle que je viens de vous poser, c'est simplement aussi qu'elle disait, cette personne, en fait, vous savez, il est bien dit au sujet, enfin, dans le contexte du don de prophétie, visiblement, il est dit « retenez ce qui est bon », en fait. Donc la personne, elle interprète ce verset-là, finalement, en disant qu'une prophétie qui est donnée par quelqu'un, bon, voilà, on va dire un chrétien, enfin, voilà, quoi. Donc, si, par exemple, il apporte une prophétie dans laquelle il y a du mélange, c'est-à-dire qu'il y aurait une partie qui serait inspirée réellement par le Saint-Esprit, mais en même temps, il y aura un mélange de la chair, si vous voulez. Donc, elle disait, bah, à ce moment-là, il faut retenir tout simplement ce qui est bon. Mais moi, je me demandais, finalement, quelqu'un, à mon avis, en tout cas, qui prophétise réellement sous l'action du Saint-Esprit, je veux dire, peut-il encore prophétiser en partie spirituellement, on va dire, de façon correcte, et en même temps prophétiser du mélange, quoi, si vous voulez, une autre partie qui serait par contre charnelle. Est-ce que c'est possible, ça, en fait? Est-ce que ça peut arriver? Je ne sais pas trop, en fait, quoi. Ok, avant que je donne de vous répondre, oui, je veux juste dire ceci. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 14, en ce qui concerne, oui, les prophètes, que deux ou trois au plus parlent et que les autres jugent. Voilà, oui, effectivement. Littéralement, discernent. Oui. Donc, effectivement, contrairement aux prophètes d'avant la grâce et les premiers prophètes, donc les apôtres, Paul, Pierre, Jacques et Jean, qui, eux, n'est-ce pas, avaient reçu une grâce particulière pour écrire, pour mettre par écrit, hein, donc les révélations qu'ils avaient reçues, notamment, oui, pour écrire la Bible, tout simplement. Ben, eux, ils ont reçu des révélations qui étaient bien sûr infaillibles, donc les révélations égale la Bible. Deuxièmement, il y avait l'inspiration, est également infaillible. Et oui, par contre, l'illumination est faillible. C'est pour cela que quand on reçoit des illuminations, il faut toujours les comparer aux Écritures, donc à la révélation qu'il y a à la Bible. Et oui, eux, ils ont reçu des révélations sans faille. Donc, ça, c'est clair. Maintenant,
Et les saints de l'Église, même l'Église primitive, hein, donc les saints là, et, ben, quand ils prophétisaient tout ça, il fallait effectivement que les autres personnes discernent, comparent leur prophétie à la parole. Pourquoi ? Parce que effectivement, nous sommes des êtres émotionnels. Oui. Donc on peut, je parle de ceux qui craignent Dieu, Dieu bien sûr, attention. Oui. Donc la crainte de Dieu n'exclut pas le fait que nous sommes des êtres émotionnels, donc sentimentaux. Et je prends l'exemple de Actes 21-22, les disciples, on nous dit là-bas, des disciples prophétisaient que Paul ne devait pas aller à Jérusalem parce qu'il serait arrêté. Ah oui, c'est vrai, oui. C'était une prophétie véritable, ces disciples craignaient Dieu. Oui. Mais par contre, ils ont mis des sentiments, pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu empêcher Paul d'aller à Jérusalem, alors que c'était la volonté du Seigneur pour qu'il aille à Jérusalem d'abord. Oui. Donc, vous voyez, donc ils ont prophétisé quelque chose de vrai, mais ils ont voulu par la suite mettre ils ont mis des sentiments pour empêcher Paul d'aller à Jérusalem. Et heureusement que Paul avait prophétisé, par contre, je veux dire, c'est pas parce que vraiment quelqu'un qui est vraiment converti, on va dire, hein, qui est vraiment véritablement au Seigneur, on va dire quoi, et qui a reçu le don de prophétie, est-il possible en fait que il puisse se mélanger finalement? C'était un peu plutôt ça ma question. Si bien vous sûr, voulez, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Des disciples d'Actes 21 prophétisaient la vérité, mais il y a eu comme un mélange dans le sens où ils ont voulu empêcher Paul d'aller à Jérusalem. Oui, parce que peut-être qu'ils avaient mal interprété ce qu'ils avaient dit de la part du Saint-Esprit, mais maintenant, donc, peut-on avoir une prophétie de quelqu'un qui craint vraiment le Seigneur, en fait, et qui mélangerait une partie dans sa prophétie, dans tout le contenu de sa prophétie, si vous voulez, qu'il a donné à un moment donné? Est-ce qu'il pourrait, par exemple, parler à la fois en même temps de la part du Saint-Esprit, mais parler en même temps? Non, pas en même temps, pas en même temps. Ça va être certainement après. Hein, ça va être, il peut prophétiser la vérité dans un premier temps. Oui. Mais quand il faut arrêter cette personne à cause de ses émotions, à cause de ses sentiments, à cause de ses blessures, oui, alors qu'elle craint Dieu, peut aussi mettre du sien par la suite. Mm-hmm. Peut aussi rajouter de manière charnelle. Oui, ça peut arriver. Ah oui, ça peut quand même arriver, voilà. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, ça peut arriver. Oui. Ah oui, d'accord, oui. Ludovic. Moi, je voulais juste rajouter, enfin, c'était par rapport à... Bah, c'était ça, en fait, ma question, si vous voulez. Puis bon, je dis juste une dernière chose, parce que bon, c'est vrai que... bon, il y avait quelque chose qu'on pouvait discerner facilement, si vous voulez. Enfin, quand on a un petit peu la connaissance, quand même, de la parole, je veux dire, voilà. Parce que finalement, il y avait un soi-disant prophète américain qui avait créé un blog aussi là-bas. Et moi, j'ai consulté ce site en cliquant sur la page d'accueil. Et ce prophète, bon, déjà vendait ses enseignements. Ça, j'ai compris maintenant que c'était pas du tout biblique, hein, si vous voulez. Mais en plus de cela, par exemple, je veux dire, il avait vendu une clé USB, par exemple, sur laquelle il mettait son nom et son prénom inscrit dessus, en fait, quoi. C'est du commerce. Donc, Ludovic, allez, peut-être, va vous répondre. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce blog. Faut faire attention parce que derrière aussi, il faut discerner l'esprit qui est derrière ce type de message qui est promu sur Internet. C'est qu'on essaye de plus en plus aujourd'hui de discerner la personne d'une prophétie. Pourquoi ? Parce que comme les gens ne veulent pas marcher dans la sanctification, mais qui veulent malgré tout manifester les soi-disant dons de Dieu, on arrive à dire, même si la personne prophétise n'importe quoi, ou même si la par hasard, façon de parler, mais si ça tombe bon, mais si ça tombe également d'une mauvaise manière, ne jugeons pas la personne pour autant, parce que ce qui compte, c'est la prophétie. Il n'y a pas de distinction entre ce qui sort de la bouche d'un homme ou d'une femme et le cœur même de l'homme ou de cette femme qui le dit, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est pur devant Dieu, ce qui sortira de sa bouche est pur. Ce qui n'est pas pur, ce qui sort et qui est faux, vient d'un cœur qui est faux. Dans Deutéronome 13, il est dit, s'il élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, parce que aucune prophétie n'est au-dessus de la parole de Dieu elle-même. Amen. Et il faut que les hommes et les femmes de Dieu reviennent à la parole, parce que sinon on va être toujours... perturbé par des gens. Pourquoi ? Parce qu'on a le discernement qu'au travers de la parole.
Et la parole est claire, hein. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, pas les prophéties. Vous obéirez, parce que la parole est prophétie, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui, pas à ce que, soi-disant prophétie quelconque. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Doctrine de Balaam. Balaam. Voilà. Donc, à un moment donné, ces gens-là, on écoute plus les prophéties parce que le problème d'Internet, c'est qu'on ne peut pas voir vivre ceux qui sont censés prophétiser et enseigner. C'est ça. Et le gros problème, moi, je travaille au... Enfin, c'est pas le mot travail, mais je suis avec un homme que je vois vivre. Moi, il est hors de question que je prenne pour argent comptant une prophétie ou un enseignement de quelqu'un que je ne connais pas. Ou alors qui... dont je ne vois pas les fruits. Et pourquoi les disciples étaient collés à Jésus et pourquoi ils ont pu grandir? Parce qu'ils avaient un enseignement qu'ils recevaient d'une manière pratique. Ils dormaient, ils mangeaient avec le maître. Tu vois? Et donc, aujourd'hui, il faut arrêter avec ces trucs d'Internet. Il y a plein de gens qui vont dire des fois des choses vraies, des choses fausses. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu vas apprendre de plus que ce que dit la parole? Rien. C'est ça. Rien. Donc le finalement, si on résume la situation, si moi je découvre clairement qu'une personne, par exemple un prophète ou même quelqu'un d'autre, hein, pas forcément un prophète, mais parlons maintenant du prophète par exemple, si je vois des choses comme j'ai décrites par exemple avec la clé USB, avec le nom du prophète dessus et qui est commercialisé et tout ça, en fait j'ai même pas à chercher à me dire finalement, oui, il faut quand même l'écouter parce qu'on ne sait jamais, il peut quand même donner une prophétie comme Balaam à son insu. Non. Voilà, dans certains cas, donc après je fais le tri. Non, il vaut mieux carrément dire, je n'écoute pas du tout cet homme-là, je ne cherche même pas à comprendre en fait. Quoi. Mon frère, cherchez premièrement la parole de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu, pardon, et sa justice. Cherchez premièrement. Et je crois sincèrement, mon frère, on blesse le cœur de Dieu à vouloir tellement chercher la reconnaissance, enfin pas la reconnaissance, c'est même pas ça, mais chercher Dieu au travers des hommes. Et ce qu'on rend pas compte, c'est que non seulement on glorifie des hommes, mais surtout on blesse le cœur de Dieu. Je vais te donner un exemple très simple. C'est quelque chose que je répète assez souvent. Imagine, j'ai Shora qui est avec moi, je reçois quelque chose de Dieu, d'accord? Oui. Eh bien, je vais aller voir Shora. Faut dire, Shora, interprète-moi ce que Dieu m'a dit. D'après toi, comment Dieu va réagir? Il va être blessé. Bien sûr. Il dit, je parle à mon enfant parce que j'ai, grâce à la croix, j'ai une relation directe parce que je suis mort pour cet homme. Je lui parle donc par mon Saint-Esprit directement. Et plutôt qu'écouter, il va aller voir un homme à qui je n'ai pas parlé concernant ce sujet-là, bien qu'il soit de Dieu. Mais ce n'est pas à lui qu'il a parlé, c'est à moi. Et je vais demander à cet homme qui n'a pas reçu cette parole d'interpréter quelque chose qu'il n'a pas entendu. Et bien ça s'appelle la folie. Complètement. Voilà. Et le chrétien est fou aujourd'hui. Je ne parle pas de toi, mon frère, évidemment. Mais je parle, tu comprends mon langage, d'une manière générale. Et ça, moi-même, j'étais comme ça. Et je remercie Dieu. Je dis, mais non, mais il est là, il me parle. Qu'est-ce que je... Tu vois? Donc cette clé USB, c'est un peu le même truc, tu vois. C'est que tu dis, mais attends, Dieu me parle. Qu'est-ce que j'ai besoin de son nom avec cette clé USB? J'ai sa parole, j'ai le Saint-Esprit. Voilà. J'ai le droit d'aller voir des frères et sœurs parce que j'ai besoin d'être enseigné, c'est pas le problème. Mais si Dieu me parle à moi, c'est lui qui me donne l'interprétation au travers des Écritures parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Voilà. C'est vrai. D'accord. Que c'est... En tout cas, bon courage, mon frère, parce qu'on on court après le temps. Donc, merci pour. On peut se tutoyer pour tes questions et que le Seigneur soit béni en tout cas. Voilà, l'équipe technique, pour finir, est-ce qu'on peut nous mettre, c'est possible, le slide de Libreville? Et voilà, donc, que Dieu soit béni, merci pour votre compréhension, merci pour votre patience, que Dieu vous garde en tout cas, et merci pour vos prières également. Que Dieu soit béni, donc, voilà, à bientôt sur TV et à Radio de Vie. Au revoir. Amen.